Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal télévisé de la Cat de Neige des écoles Vercors et Chaperchier de la commune Sabonnet-de-Mur. Nous commençons avec un premier sujet sur le ski, première partie présentée par notre duo Virginie et Justine. Oui Camille, je vous reçois bien en direct de la station de Val Thorens, la plus haute station d'Europe. Nos élèves font d'énormes progrès grâce à la formidable équipe de Marielle Guatchel. Les premières, deuxième, troisième étoiles montent en téléphérique. Les débutants ont l'air de bien se débrouiller. Tout de suite, nos images. Thank you.
Voici un reportage sur la classe présenté par Julie. Oui Camille, bonjour. Ne faisons pas trop de bruit, nos jeunes murois travaillent maths, français, lecture. Histoire de ne pas oublier que nos jeunes élèves ne sont pas ici que pour skier. Tout de suite, nos images. Thank you.
se coucher, nos élèves profitent d'une veille et jeu appelée Casino. Reportage Amandine et Marion. Effectivement, mon cher Camille, je vous reçois très bien. Nous allons voir la roulette avec Christelle, où l'on mise de l'argent et où on gagne le double ou le triple. Le loto avec Véronique, qui cite les nombres, et quand nous gagnons, nous recevons 150 francs. Et nous finissons avec le 421, où il faut faire avec le dé 1, 2, 4. Tout de suite, nos images. Le 4 et le 1. On y va. Allez, monsieur, qui mise. Attention. Moi, beaucoup, moi. Allez, monsieur, 200 francs pour monsieur. 200 francs pour monsieur. On y va. 200 francs pour monsieur. Attention, 421. 421. 4, le 2 et le 1. Pour le mademoiselle. 10. 8. La star est là. 14. 18. 21. T'as perdu. Faites vos jeux là. Il a perdu, il a 24. J'avais 14. Non, c'est à moi. Attention. Regardez si on a des paires, des brelants ou les carrés. On observe bien son jeu. Oh ben, tu changes. Combien? 3. On peut s'arrêter pour le tour. T'as rien. Tu peux tricher si tu veux. Si t'as pas assez de coups. Faut jouer, rien. C'est quoi, noir? Tiens. Tout seul rose. Non, c'est une vieille. Oui, là, je suis dernier. Regardez. C'est quoi? C'est quoi? Je retenais, c'est bon au départ. C'est génial ton plan, là. Faites vos jeux. Rien ne va plus. Ouais, mais après, à quoi ça sert ce billet? Faites vos jeux. Tu veux jouer la puce? Si, pour moi. 29. 8. Moi. 16. Le 34. Moi. Merci. 27. Père. Le 31. 79. Mesdames et messieurs, les mises sont comme vous le sentez. C'est établi, c'est parti. Vous jouez contre la banque, mesdames et messieurs, c'est parti. 9. C'est bien. Mademoiselle est à 9. La banque continue elle aussi, la banque est à 20. À vous, mademoiselle. Continuez. 6 plus 5, 11. 11 plus 10, elle est encore en course. 3, 300 francs à monsieur. Encore à moi. 600 francs à madame. On retrouve la deuxième partie de ski avec Virginia et Sarah. Oui Camille, nos élèves maîtrisent de mieux en mieux leur technique en ski, les virages dérapés. Les traces d'Irail n'ont plus de secret pour eux. Leurs moniteurs, Grégory, Katia, Crystal et tant d'autres qui représentent une vraie équipe d'animateurs. Tout de suite, nos images. Thank you.
Nous poursuivons notre journal sur la vie quotidienne. Reportage, Violaine et Adeline. Coucou, coucou. Oui, tout à fait Camille. On vous reçoit 5 sur 5 en direct du chalet de l'Académie des Neiges. Au programme de notre journée, le repas sur la super terrasse du chalet et le coucher de nos élèves. Certains ronflent tandis que d'autres rêvent de certains moments de leur séjour. C'est tellement bon qu'ils ne veulent plus retourner vers la cuisine de leur maman. Tout de suite, notre reportage. Et maintenant, voici un reportage sur l'intervention des gendarmes qui vont nous parler de la montagne, un sujet présenté par Fanny. Oui, Camille, en cette fin d'après-midi, les gendarmes de la vallée viennent nous parler de la montagne avec ses plaisirs, mais aussi ses dangers, comme les avalanches. Ils nous expliqueront comment les éviter tout de suite notre reportage. De neige, des rochers, des tempêtes de neige, des grands vents, des rafales, des rafales. Hein? Et vous avez des accidents qui sont dans la montagne, hors piste. Hein? Donc quand vous skiez sur piste, il y a quand même des dangers. Alors il y en a un qui m'a dit les avalanches.
Est-ce que vous savez comment que ça se fait? Il y a beaucoup de neigeux. Oui. Alors, pourquoi la neige? Il y a des fois beaucoup de neige. Juste avant que ça s'arrête, il faut se faire. Alors celle-ci, on en a chronométré à 300 km/h. Ça vous dit quelque chose? 300 km/h, c'est comme un peu une explosion. Hein. C'est-à-dire que vous voyez arriver ce nuage, parce que c'est un nuage, et avant que l'avalanche arrive sur vous, vous sentez déjà le souffle, comme une explosion. Vous sentez l'air qui est déplacé, qui est poussé par la neige. On n'a pas beaucoup de choix. Voilà. Donc ce qu'il faut faire... C'est que dans le domaine hors-piste, eh ben, des fois, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est-à-dire les gens sont seuls dans la montagne, ils skient. Alors si personne n'a vu l'avalanche démarrer ou n'a vu l'accident, eh bien, tu peux rester des fois plusieurs heures avant d'avoir l'alerte. Il y a deux faits essentiels. Le premier, mettre l'intensité très très fort, hein, très très forte. Vous voyez, c'est assourdissant, hein. Vous voyez? Alors à chaque fois, la méthode là, un signal. Vous voyez là, je reçois, d'accord? Alors, quel moyen reste-t-il? Mais qu'est-ce qu'ils font? Et voilà, ils sondent. Et ils sondent entre les jambes et devant les pieds. Il y a des trous. En cette veille de fin de séjour, voici un grand moment avec le fameux ciné-jeu, reportage Christophe. Eh oui, Camille, ce soir, une sacrée soirée avec le célèbre ciné-jeu qui va voir s'affronter amicalement trois classes de Saint-Bonnet de Mur en répondant à des questions sur des extraits de films. Un spectacle agrémentera la soirée. Pour vous de vous faire remarquer, caméra 2, caméra 3 sur un non. Eh bien, candidat ce soir avec Thierry à la caméra. Caméra, Thierry. Alors, avec une équipe. Et bien sûr, une équipe de... Et enfin, alors, très bien. Alors, 3 points pour les visiteurs. Je sens que la soirée est bien lancée. Les Robocop, trêve de marathon, c'est parti. Observez bien, c'est parti. On a plein de petits cadeaux pour toi. Allez, obéis maintenant et ouvre cette porte. Bah quoi? Hello. Ah!
et le clou dans le pied. Oui. Le fer. Oui. La poignée. Oui. Trois, il a donné les trois. Prêtre, vous êtes coupable. Mikado, c'est bon pour le moral. Comment tire-t-il le louveteau? En sifflant. C'est une bonne réponse. Spectacle. Et donc je vais appeler l'équipe de JB, de Jean-Baptiste, pour une superbe danse. On les applaudit, on les encourage. JB et son équipe. Si elle n'aime pas mon dessin, c'est qu'elle n'a pas de goût. Pour la fête des mères, je lui dessinerai le portrait de ses enfants. Elle sera ravie, c'est sûr. Est-ce que quelqu'un veut mon dessin? On se fera disputer. Bien fait pour lui. Tu as sûrement raison, papa. Mais j'espère que ses parents ne seront pas trop sévères. Dis-moi, j'espère que ce garnement n'est pas ton copain. Oh non, papa, mais je le connais bien. J'espère que tu n'es pas assis à côté de lui. Oh non, papa, moi je suis assis à côté de Jérôme. L'instituteur dit, Toto, tes devoirs sont mauvais. Je vais prendre rendez-vous avec ton père et lui dire, il va être furieux, dit Toto. C'est lui qui les a faits. La maîtresse demande à Toto, est-ce qu'on peut faire des nœuds avec de la pluie? Non, oui, quand on peut, quand il pleut des cordes. Bravo! Un Belge dans un sous-marin. C'est le seul qui a un parachute. Bravo! Ouais! Genève, dans un magasin de sport, un client furieux rentre avec ses skis nautiques. Que se passe-t-il? Dit le vendeur. Oh, on ne peut pas trouver de lac en pente. Ici, dans ce pays. Bravo! Et regarde les poissons. C'est une mauvaise réponse. De l'Académie des Neiges, avec maintenant en piste l'équipe de Greg pour, je crois, une chanson. Greg et... Je suis blanc de peau, quand on veut chanter l'espoir. Quel manque de peau, oui, j'ai beau voir. Moi je vois plus.
Sergio pour finir la soirée. Une petite surprise de Sergio à la saison. Trêve de baratin, dernière série, les visiteurs. C'est un jeu d'observation dans les années 70, donc, tu te rappelles, une série de films un peu particuliers. Aucune idée. Alors, on va demander à l'animateur de l'équipe de Daniel de venir à son secours. Je crois que Greg est un cinéphile averti. Greg, la porte en... Merci Sergio pour le retour. Bien. Alors, non. Si vous n'entendez pas la musique à votre tour les bronzés, je vous garantis que vous aurez droit vous aussi à une rediffusion. Pas de problème. Bien. Cette fois-ci, Daniel, c'est ta dernière chance. La musique t'a entendu. Je crois que Greg est là pour te souffler. Il s'agit de... Histoire sans peur. C'est bon, un point pour l'avocat. Bien. Aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. On ne saurait terminer ce journal sans la cérémonie des remises des médailles, reportage, Jérémy et Aurélien. Oui Camille, aujourd'hui c'est un grand jour avec la remise des médailles grâce à Télé-Val Thorens. Vous allez retrouver des grands moments d'émotion quand nos élèves seront récompensés de leurs flocons et de leurs étoiles. Et puis de leurs fléchettes. Tout de suite, nos images. Daniel, alors, Christophe. Daniel. Daniel. Bravo, Julie. Tu la veux, tu la veux pas? Daniel. Pas de médaille. Si. Oh, si. Ah ouais. Hein. Daniel.
Daniel. Sophie Théodore Poël. Stéphanie. Léora. Allez, ouais. Virginia Masque. Tiens. Super, mon grand. Salut. Merci. Pierre, la bleu cristal. J'ai Daniel ici pour le coréen 2. Alors là, on commence à vraiment bien sérieux. Jolie Camille. Camille, ben, chez Daniel, bien sûr. Camille qui a beaucoup de mérite ce soir. Vincent, Marion. Voilà, notre journal est terminé en espérant que vous aurez grand plaisir à vous le rediffuser. Un grand merci à toute l'équipe de Maria Gottschel, sans oublier Jean-Claude et Thierry, nos deux animateurs vidéo. Bonsoir.